Jordan Bardella clash David Guiraud de la France Insoumise. Invité sur TPMP, Jordan Bardella va venir réagir à une vidéo de David Guiraud qui a fait polémique. En déplacement en Tunisie, le député LFI avait tenu des propos assez limites sur Israël, notamment en remettant en cause les déclarations de l'armée israélienne. On a des responsables politiques en France complètement avalés, gobés, tous les éléments de langage, de la propagande d'un État colonial en train de réaliser un nettoyage ethnique. C'est à ce moment-là que moi je me suis retrouvé à dire, mais attendez, mais les boucliers humains, c'est Israël qui l'a utilisé, on sait, ça s'est prouvé. Jordan ne va pas laisser passer ça et lui remettre les idées en place. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Le porte-parole du Hamas, c'est-à-dire que ce qu'il dit, c'est la propagande des terroristes islamistes du Hamas, qui ont massacré des civils. Et j'espère que M. Guiraud sera cette semaine à l'Assemblée nationale, quand Mme Braun-Pivet va diffuser les 43 minutes d'images qui ont été récupérées par l'armée israélienne et qui vont être diffusées des images des massacres. Je comprends tout pas mal. Quelle merde ! Moi, je vais vous dire, on me les a envoyées, les images du massacre. D'accord. Je les ai regardées. C'est un choc des mondes entre la civilisation et la barbarie. Et M. Guiraud, vous voyez, il joue l'incendiaire depuis son salon. C'est-à-dire qu'il est dans son salon, il est dans des salons feutrés là partout, je ne sais pas où il est, en vacances en Tunisie, et il joue en fait à alimenter le conflit. Mais ce n'est pas M. Guiraud qui va aller en première ligne. S'il veut défendre les terroristes du Hamas, eh bien qu'il aille sur place et qu'il soit courageux au point d'aller au bout. Et là, je pense qu'il y aura un peu moins de monde à l'aéroport.